C'est une campagne que mène de pied et de fond, évidemment, la Société canadienne du cancer qui a lieu présentement, la campagne Mémo Mammo. J'ai l'occasion d'en parler avec Mme Maryse Pruneau, qui est infirmière clinicienne du programme québécois en dépistage du cancer du sein, ici, secteur Laval, ambassadrice d'ailleurs de cette campagne ici, en sol lavallois. Mme Janine Dionne aussi, qui est avec nous, qui est survivante d'un cancer du sein. Merci d'être là, vous deux, de ce sujet tellement, justement, qui touche tellement tout le monde. On dit une personne sur deux, selon les, je pense, les statistiques, le cancer globalement qui touche les gens partout au Québec et au Canada. Je pense que c'est une statistique qui est révélatrice. Oui, spécifiquement pour le cancer du sein, c'est une femme sur neuf qui va recevoir un diagnostic du cancer du sein. Malheureusement, encore une sur trente va en mourir. Donc c'est, puis je pense qu'on parlait de 6000 Québécoises, quelque chose comme ça. Exactement. Alors, c'est un chiffre encore à la main. Mais est-ce que quand même l'État, si on en fait un peu le topo du cancer du sein, la recherche, les remèdes et les actions qui sont menées pour justement arriver à ces conclusions-là, de trouver des remèdes, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça avance bien quand même malgré ces chiffres-là? Ou... Oui, on a des bons résultats. Il y a toujours une baisse là, qui s'accentue. Depuis quelques années, grâce aussi au programme de dépistage du cancer du sein, qui trouve les meilleurs traitements aussi. Plus précocement le cancer est dépisté, mieux il en sera. Donc, c'est vraiment ça, la priorité clé, de dépister précocement. Et est-ce que ça reste, avec le vieillissement de la population, l'un des principaux, disons, cheval de bataille, c'est-à-dire que la cause du déclenchement grandissant, malheureusement, de ces chiffres-là, ou est-ce que c'est ça, là, peut-être, la vieillesse qui est un des principaux facteurs? Oui, bien, les deux principaux facteurs de risque pour le cancer du sein, c'est d'être une femme et d'avancer en âge. Okay. Alors, on sait qu'on a une population vieillissante et la catégorie d'âge ciblée, parce que c'est un programme gouvernemental, c'est les femmes de 50 à 69 ans qu'on invite à participer au programme et donc à passer une mammographie de dépistage aux 2 ans. OK. Et Mme Diane, justement, je vous inclus, c'est sûr, parce que vous êtes tellement, vraiment bravo pour votre bataille. Ça voit, vous êtes lumineuse. Merci d'être là. Et justement, vous avez ce message à lancer aux femmes d'aller passer un test de mammographie, parce que pour vous, ça a été... ça vous a sauvé carrément. Absolument, absolument. Pour faire suite à ce que Maryse vient de dire, le programme est de 50 à 69 ans. Mais moi, pour une raison que j'ignore, ma curiosité probablement, à l'âge de 47 ans, après un examen gynécologique, j'ai demandé à ma médecin si je pouvais passer une mammographie. Elle a regardé mon dossier et elle me dit « pourquoi pas ». Et suite à cette rencontre-là, 10 jours plus tard, j'aperçois que j'ai une bosse sur mon sein droit qui était vraiment palpable. Je m'en fais pas trop puisque je sais que je vais passer une mammographie 10 jours plus tard. Et à la suite de cette mammographie-là, à 47 ans, quand on se fait dire qu'on a une tumeur cancéreuse, pas besoin de vous dire que c'est le choc. Hein? Je comprends donc. Et là, vous avez donc combattu, vous êtes une grande gagnante. Donc, permettez-moi de vous demander quand même, ça fait combien de temps que ça va bien pour vous et tout ça? Ça va bien maintenant, mais... suite encore à une deuxième mammographie. D'abord, premièrement, on sait très bien qu'après un cancer d'un sein, les 5 premières années sont critiques, hein, n'est-ce pas, Maryse? En ce qu'ils nous disent, d'après les médecins. Mais moi, j'ai toujours fait confiance à la vie. Et à tous les ans, je passe une mammographie. Et 4 ans passés, malheureusement, on me découvre une deuxième tumeur maligne dans le même sein, complètement indépendante de la première. Et cette fois-là, quand j'ai rentré dans le bureau du médecin, il m'a dit « j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous, Mme Dionne ». Et je savais très bien que c'était grave. À ce moment-là, 4 ans passés, on m'a fait une mastectomie totale. OK. Okay. Mais là, est-ce que vous allez mieux? Est-ce que ça va très bien aujourd'hui. Okay. C'est du passé, la vie est belle et puis on continue... Puis j'en profite. Vous avez un sourire encore. Qui est très communicatif, plein de vie. C'est vraiment éloquent. Mais merci de ce partage-là avec nous. Puis justement, je vais vous parler, bien sûr, de cette raison pourquoi on est ici aujourd'hui. Cette campagne, présentement, du Mémo Mammo. Parlez-nous de cette campagne-là, puis aussi de l'objet en question, justement, dont on fait référence. Certainement, avec plaisir. La campagne Mémo Mammo de la Société canadienne du cancer... C'est un outil éducatif exceptionnel. C'est un porte-clés. Oui, c'est ça. C'est un porte-clés. Alors, tout simplement, décoratif.
Et ces deux perles, dans le fond, sont de grosseurs différentes, comme on peut voir. La plus grosse ici représente une masse qu'une femme peut se détecter elle-même, donc la grosseur d'une masse. Okay. OK. Et la plus petite perle rose, ça représente une masse détectée à la mammographie de dépistage. Donc, c'est évident, là, la différence là, est marquante entre les deux grosseurs. Totalement. Ça, c'est la tête grosse comme la tête d'une épingle là, qu'on peut dépister. Donc, ce que je vous disais tantôt, oui. Je fais le lien, je m'excuse oui. avec non, le dépistage précoce du cancer du sein et son importance. Bien, c'est ça. C'est plus on le dépiste précocement, oui, c'est ça. Mieux il en sera. Okay. Éventuellement, oui. Puis d'ailleurs, c'est au coût de 5 $ je pense, cette campagne-là. C'est ça. Modique, au coût de 5 $ ils sont vendus dans les pharmacies Jean Coutu et aussi au bureau régional de la santé... la Société canadienne du cancer, excusez, sur la rue Michelin, ici à Laval. Là, donc, et les sommes qui sont recueillies dans ce programme-là, donc ça va pour, évidemment, les bonnes causes, c'est-à-dire la recherche... Oui, tout ça, ça s'en va à la Société canadienne du cancer pour la recherche et pour... Soyez assurés que tous les sous sont bien utilisés. Ils sont là pour tous les cancers, mais aussi dans cette campagne-ci, spécifiquement pour le cancer du sein. Le dépistage et dépistage, tout ça. Oui. Du Mémo Mammo, donc, c'est cette campagne. Et j'invite les hommes, hein? Les hommes qui entendent pas. Ça présentement, qui, justement, ils ont des mamans, ils ont peut-être des blondes, des enfants, des petites filles, des peu importe. Alors, les hommes aussi, on les inclut dans cette campagne-là, pourquoi pas? D'autant plus, je pense qu'il y a 1% aussi des hommes qui peuvent avoir aussi oui, le cancer du sein. Effectivement. C'est possible. Puis quand on regarde aussi les facteurs de risque, les antécédents, ce n'est pas seulement le côté de la mère qu'il faut regarder, il faut aussi regarder le côté du père. Exactement. Donc, c'est très important aussi. De des fois, ça. Il y a des choses qui se disent, c'est pas toujours les mythes ou des choses, mais il faut aller vraiment se renseigner auprès des professionnels. Un grand merci. C'est tout le temps, malheureusement, qu'on avait, mais c'est un sujet vraiment très pertinent et qui me touche profondément. Madame Maryse Pruneau, merci beaucoup. Madame Janine plaisir. Dionne, restez aussi belle comme ça. On vraiment très longtemps. Gardez votre sourire. Merci. Merci.